Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, c'est la reine mère, c'est la PDG. Donc nous sommes lundi le 15, voilà. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a des choses qui font très mal. Je ne vais pas vous mentir, hein. Ça avait une douleur atroce que je fais cette vidéo ce matin parce que on ne peut pas tout le temps dire qu'une personne est folle, une personne, il faut laisser la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Moi, je m'adresse à Aline Zomobem. Honnêtement, peu importe le problème que tu as avec Guy Manouvi, avec, je sais pas, sa compagne, tu n'as pas le droit d'insulter la mémoire d'une personne respectée dans la République. Tu n'as pas le droit de la publier en l'insultant, en disant qu'elle est pourrie dans la tombe. Tu es en train de publier Madame Fony, notre maman à nous tous, celle qui a lutté auprès qui, c'est-à-dire que qui a donné la joie de suivre le défilé du 20 mai. Oui, Madame Fony. Aujourd'hui, tu te permets, Aline Zomobem, de l'exposer, d'insulter sa mémoire. D'insulter sa mémoire. Une personne qui n'est plus en vie. Qu'est-ce que tu as à y voir avec elle? Jusqu'à ce qu'on te donne le prix. C'est-à-dire que tu fais ça. Jusqu'à les gens te voient, on te donne le prix. On te donne le prix parce que tu insultes la mémoire de quelqu'un qui est décédé. Non, franchement, laissons que Flo fait la pute, puisque tu vas me traiter de pute, laissons ça. Qu'est-ce que tu as à y voir avec Madame Fony? Elle est sortie de sa tombe, elle t'a provoqué Aline Zomobem. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Toi, tu ne peux pas diviser les Camerounais. Il y a le tribalisme au Cameroun, je refuse pas. Mais toi, Aline Zomobem, tu ne peux pas diviser les Camerounais. Moi, je suis une fille Bamileke qui n'a jamais eu de relation avec un Bamileke. Je suis sortie avec que des Bassas, en fait. Mais toi, tu ne peux pas diviser les Bamileke. La population, les Camerounais, tu ne peux pas. Moi, je te donne rendez-vous à Aline Zomobem, moi, Flore, en tant que ta fille, en tant que ta petite soeur. Moi, parce qu'on dit que moi, je te donne rendez-vous, donne-moi rendez-vous où tu vas à Paris, je me présente. Je te poignarde, moi, je te dis ça. Je te dis que moi, je vais défendre Madame Fony là. Tu comprends? Laisse-moi les histoires. J'ai vu les docteurs, hein. Moi, je connais un docteur qui allait poser avec toi, un Bamileke qui est un grand médecin. Qui est même familier à moi, il a posé avec toi une de ces photos-là. J'avais vu ça avec toi. Tu ne peux pas te permettre d'insulter la mémoire de quelqu'un qui est décédé. Aline Zomobem, moi, Flore, la PDG, ce n'est pas que, ce n'est pas le tapage. Je te dis que tu me donneras. Tu assistes, moi, je te tape. Je te dis ça. Je vais oublier, hein. Rien que la mémoire de cette maman-là que tu es en train d'insulter. Parce que tu es sorti ou bien aller où on t'a donné le prix. Parce qu'on t'a donné le prix, tu la publies comme ça, dis qu'elle fait 400 kilos, tu te permets de l'insulter. Aline Zomobem, hein, je jure sur le talon du Wakasi que, hein, j'espère qu'après la vidéo aussi, tu vas me donner rendez-vous et je vais me présenter. Tu me donnes rendez-vous à Paris, je me présente. Je te montre que, hein, je vais défendre alors la mémoire de Madame Fony là. Ça va chasser pas en prison, ça fait quoi? Aline Zomobem, je te poignarde. Moi, je dis ça. Je te poignarde, ce n'est pas que. Tu te lèves le matin, tu commences à insulter Madame Fonis quand tu publies ses photos. Non, mais franchement, arrêtons un peu. Quel genre d'humour? Quel genre d'humour? Aline Zomobem, donne-moi rendez-vous où tu veux. Donne-moi rendez-vous, laisse-moi que. Je dis qu'elle vient seule, tu viens seule. Donne-moi rendez-vous, elle te montre. Tu comprends, non? Pas ce que tu fais derrière Facebook là. Je te dis qu'Aline Zomobem, pas ce qu'on dit que la police. Moi, je suis psychopathe. Je te montre que je suis psychopathe. Aline Zomobem, donne-moi rendez-vous. Comme tu insultes Madame Fony là, donne-moi rendez-vous. Regardez-moi ça. Jusqu'à ce qu'elle est bêtise, elle se lève et publie quelqu'un qui est décédé. Jusqu'à ce que je vois les gens en position sur les photos avec elle par rapport à quoi? Toi, tu es qui? Ton père était quoi au Cameroun? Tu dis que tu es écrivain, tu es ceci, tu es.